Les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Me noter. J'ai déjà le seum. Pourquoi on fait ça? Je ne sais pas. Aujourd'hui, les gars, vous l'avez compris, je vais pas passer ma journée tout seul. Je vais passer une journée me noter avec un mec qui a peur de rien. Voilà. T'es trop en détente. C'est comment, Julien? Franchement, je suis bien là. T'es tranquille? 4 heures de sommeil, on va faire des dingueries. Là, je suis bien. Il est 9 heures du matin, j'ai encore la tête dans le cul. Regarde, et lui, il est trop en forme. Je vais te suivre dans ton quotidien. Quoi qu'il arrive, on va être menotté, je suis obligé de te suivre. L'idée, c'est toute la journée, il va y avoir des activités. Il faut que tu débranches ton cerveau et que tu te dises, on nique sa mère. Bah, tu m'as mis déjà dans le bain direct. Voilà. En vrai, à la fin de la journée, je sais pas c'est qui va être le plus fatigué entre moi et lui. Tu vas voir que je suis fatigué en tout cas. Regardez bien mes yeux, regardez bien mes yeux. À la fin de la journée, il fait KO. Ça va être abusé. Frérot, il a tellement peur de rien qu'il a pas peur d'être menotté avec WAM. Et ça, déjà, c'est fort. Ouais. Mais frérot, par contre, tu vas me mettre dans la merde. J'ai bien compris. Sauf qu'il y a un truc que tu sais pas. J'ai déjà fait une vidéo menottée pendant une journée. Ça veut dire que j'ai l'expérience d'être menotté. J'ai déjà été menotté. Bon, bah d'accord. Pourquoi t'as été menotté? Tranquille, viens, continue. Attends, t'as niqué l'ambiance là. Menotté à un délinquant pendant 24 heures. Faut que je me mette là, regarde. Comme ça, on menotte ma main droite et ta main gauche. Parfait. Ça, c'est incroyable. Être gaucher, les gars, c'est déjà un life hack. Let's on go. Se menotte là. Ouais, c'est bon. Mais frérot, tu sais qu'une fois qu'on est menotté, c'est. Vas-y, ma gueule, menotte. J'ai déjà fait une vidéo 24 heures menotté avec Inox. Je sais ce que ça fait. Serre pas fort. Là, c'est pas trop mal, là, non? L'idée, c'est qu'on puisse pas. Oh, c'est parfait. Comme ça, on peut tourner le poignet. Oh, oh ta race. J'ai un peu trop menotté. Moi, je peux un peu tourner les poignets. Toi, ça va? Putain, c'est ouf parce qu'en fait, crois que si je fais de la merde, t'es obligé de me. Mais oui, non, mais c'est ça, frère. Mais c'est génial. Mais gros, on se connaît pas encore beaucoup, frérot. Ouais. À la fin de la journée, crois-moi, on va se connaître. J'ai envie de garder un bon souvenir de cette journée. Vas-y, t'es prêt? Ouais. Allez, c'est parti. On fait toute une journée menottée aujourd'hui. Est-ce que t'es prêt? Ça fait que 5 minutes, ça me saoule déjà. Mais là, on marche, on va où, frérot? Là, on va au resto. Oh, ça, c'est la pire chose. Après, l'avantage, c'est que celui qui a le plus de force qui dirige. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu peux quand même te présenter? Alors, Julien Meignier PK, je suis cascadeur et voilà. D'ailleurs, allez me suivre sur les réseaux, TikTok, Instagram, Julien Meignier PK. Voilà. Bon, bah voilà. Vous voulez une photo avec moi? Oh, ouais, parce que mes enfants, ils sont fans de. De nous deux? De moi? Alors, comment c'est? Inox, moi, c'est. Ils sont fans! Ils vont être. Inox, il fait une vidéo et après, je fais une vidéo. Comment il s'appelle? Ennio. Pour Ennio. Ennio, mon gars, je te fais plein de bisous. Merci de me suivre. T'es un boss. Je t'ai senti pas à l'aise sur la dédicace. Imagine, c'était la première dédicace de ma vie, ce serait fou. Il a dit c'est Inox. Là, on va aller manger comme tous les matins. Juste, c'est ça la première activité. Mec, le resto est incroyable par contre, frérot. Attends mes frères. Oh le petit déj de baiser. Frérot, tu m'expliques pourquoi il y a un putain de steak haché? C'est le petit déj ou... Parce qu'en fait là toi tes yeux ils ont été rivés que sur mais frère, c'est tout ce qui est bon, t'as pas vu ça là. L'idée le matin quand tu fais du sport c'est t'as pas le temps de te faire des petits plats nanana. Tu mets tout dans un mixeur, tu haches, tu bois. Ah tu veux qu'on fasse un shaker? Oui. Non mais en vrai là tout est déjà découpé, je peux manger de l'ananas. C'est plus drôle de tout mettre dans un mixeur et... C'est quoi, je te suis? Ouvre le mixeur. Attends mais qu'est-ce que tu vas me faire comme petit déj? Tu me fais peur là. T'as changé d'ambiance d'un coup. Ok. Oh. Donc je te propose une banane chacun comme ça. Ok. Mon but c'est de comprendre ton quotidien. À la fin de cette vidéo je veux devenir un mec qui a peur de rien. Il y a des trucs qui te font peur dans ma vie. Les serpents j'aime pas. On va passer tous les deux une journée ensemble. Toi tu vas me mettre dans la merde. J'ai un contact qui connaît bien les serpents. Top pas de contact. Allez. On va se mettre un œuf histoire de. Oh non. T'aimes pas les œufs? Ouais non. Sérieux? Pas d'œuf. Ok. Évidemment comme un œuf t'es fou quoi. Ça va, pendant ça va, une ça. Seconde je me suis dit t'as un mec bien. Hop là. Tu les ouvres trop bien les œufs. Là on a des fruits, on a les protéines. Est-ce qu'il y a des trucs qui te font envie? Les Smarties. Il a 12 ans. Vas-y, vas-y, mets-les. Il a 12 ans. C'est bien là? Ouais, franchement c'est pas mal. Qu'est-ce que c'est ça? C'est du kiwi frère. C'est des kiwis? Viens, on met un kiwi. Franchement, je suis chaud, j'adore le kiwi. Viens, non, mais en vrai, le petit déj va être bon. Et ça franchement, va être pour la paire, viens, on met un peu de steak haché. Vraiment mettre du steak? Ouais, ouais, c'est bon. Comme ça, dès le matin là, avec de la banane et des Smarties. Steak, banane, Smarties, kiwi, je suis pas certain, frérot. La peur, ça existe pas. Go intoxication. Let's go. C'est un champignon, moi j'aime bien les champignons. Pas de soucis, ouais. Tu veux autre chose? Attends, mais t'as vraiment mis un champignon là? Toi, t'es pas dans la vidéo, soucis, frère. Eh, hey, mais viens, on se me note à 3, tu vas voir, toi. Attends, mais tu mets vraiment des champignons là? C'est grave bon, ouais. Non, mais tu vas pas mettre du lait, c'est après c'est un milkshake. Ah oui, c'est le principe. Ah, mais un shaker, c'est un milkshake? Bah oui. Mais mec, moi j'adore les milkshakes en vrai. C'est le petit déj qui me donne le moins envie au monde. Le steak haché dans le lait avec des champignons, frère, ça n'a pas de sens. T'en joues du chocolat, ça fera du goût. Mais du chocolat avec un steak haché, gros. On shake? On fait un pierre feuille ciseaux et le perdant il met du tabasco dans son verre. Qu'est-ce que tu parles, toi? Pourquoi il y a du tabasco? Bah t'as pas entendu le... Mais si, vous allez faire un petit pierre feuille ciseaux et le perdant il en met dans son verre. Ouais, moi ça me va. En vrai, je suis devenu insensible au piment. La vie de WAM, viens on porte nos couilles, on met du tabasco là. Vas-y. Dos, c'était mort par contre. T'as trop le seum. Le milkshake est prêt? Comment on fait? Il y a un start et un stop. Oh, oh c'est
c'est parti, frérot. Attends, mais c'est trop tard, ça fait un trou au milieu. Je suis en train de découvrir les mixeurs. Hein. Je pense que c'est bon. Hein. Okay. Oh là 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 là, de la bonne bouille dès le matin, ça m'a l'air bien dégueulasse. Oh, ça sent bon. Ça sent pas si mauvais. En fait, ça sent la framboise. Et on aurait dû mettre que des framboises. Ça y est, dose, ça y est. Regarde tout ce qui reste. Il est trop content, il est là, il chante en... dès le matin, un petit shaker. Celui qui finit son verre le moins vite, il se tape le reste. Mais gros, il y a encore énormément. Je crois qu'on se rend pas compte. Hein. Santé. Santé. Pas comment penser. T'as pas tous les goûts, ils sont passés un par un dans ta bouche. Si. C'est dégueulasse. Tu veux une petite framboise? Non, pour non, bah, regarde, petite framboise ici. Tac. Oh merde, la framboise a coulé. J'ai pas envie de prendre le reste. Oh bah non. Ah, la vie de ma mère, c'est... Arrête, frère. Ah, gros, c'est dégueulasse. Ça a un goût de bouillie qui pique. Je boirai plus vite parce qu'il a presque fini son verre. Mais il va finir avant moi, gros. J'ai l'impression de boire du vomi. Trop bon. C'est le vomi d'hier soir. J'ai vraiment l'impression que je suis en train de vomir. Ah, j'étais bon. C'est trop, frère. C'est trop la vie de ma mère. Comment tu fais? T'as kiffé là? Ton cerveau était branché. Je t'ai dit qu'il fallait débrancher son cerveau. Là, tu penses que ça a du goût, mais le goût, c'est nuançable. Genre vraiment. Ah, ça me dégoûte. En fait, le pire, la vie de ma mère, le pire, c'est que ça pique la gorge. Non, mais il y a encore trop. Oh, c'est le moment de ma vie. Oh, belle perf. Ah. Quoi? La vie de ma mère, c'est imbuvable. J'aimerais bien passer à l'activité suivante. Je vais juste tomber malade, là. Yes, bien. Let's go. Regarde le plaisir sur son visage. T'as vu la transition, comment elle met bien? C'est que là, je pense que je me lève, mon estomac il fait glou. Je pense que ça va faire un sale bruit là. Moi. Bah, toi, au moins, on est prêt pour la journée là. Je suis prêt de où, frère? C'est quoi la journée? Bah, là, on va continuer gentiment et on va partir s'entraîner. S'entraîner d'eux? Tu vas voir. Ça, j'aime moi. Gros, je sais pas si t'as capté, on peut pas se changer. Ouais, j'ai capté maintenant là. Tu vois ou pas? Genre là, moi je meurs de froid, mais je peux rien faire, frère. Bon, je te suis, on va où? Bah là, on part à la prochaine activité là. Vraiment, on va s'entraîner. Ouais, là, on va s'entraîner là. Avec de la bouse dans le ventre. Bon, de la bouse, c'était exquis. Ah, oh, par contre, c'est un peu. Ah, tu veux pas t'attacher? Attends. Ah ouais, y'a un problème pour la ceinture. Ça va en vrai. Ça va. Ça va. Ça va. Mec, bon, t'as bien fait les choses, hein. T'as petit van et tout. C'est quoi ton entraînement? Entraînement cascadeur? Tu sais que j'ai fait une vidéo, une journée où je m'entraîne avec des cascadeurs. Ça veut dire que je connais les entraînements. Dédicace, Joris, Megan, tout ça, on est ensemble. Ah, tu les connais? Bien sûr, c'est mes potes. Ah, mais énervé. Ouais. Non, là, on va faire quelque chose d'un peu plus costaud. Tu vois, j'aime pas. Mais wesh, non, attends. Frérot, comment ça va? Bah, moi, ça va. Du coup, vous allez faire comme ça, c'est ça? Moi, en plus, j'ai déjà réfléchi à des stratégies pour vous niquer, tu vois. Mais c'est que toi, t'as même pas besoin de réfléchir non, à des mais, stratégies. Ouais, mais vous êtes deux quand même, tu vois. Ça veut dire, on sait jamais. Franchement, vous êtes des couilles, hein. J'aime pas quand il dit ça. Et tu sais quoi, en vrai, je m'en fous. C'est un honneur de me battre contre toi. Je vais bien te la mettre, frérot. Ok. Je vais pas jusque-là, mais ça va être cool, ouais. Oh, mec, on est foutu, chien. Moi, c'est pas mal. Ah, c'est vrai? En fait, y'a rien qui va pouvoir te sauver, du coup, il va falloir que tu t'improvises. Ne lui tourne jamais le dos. L'idée, c'est tu gardes la main là, faut qu'on se déplace. Toujours, regarde, tu montes. Faut toujours, en fait, qu'on. Ok. Parce que sinon, on va se faire niquer. Faut qu'on l'entende. Ouais, et faut que tu suives le mouvement. Faut que tu suives le mouvement. Ah! Attends, t'as dit protège, genre et tout? Je suis fou, quoi. Frère, j'ai pas ça moi. Moi, j'étais même pas au courant qu'on allait se battre. Mais le moins pas. Il a vu qu'il allait se battre, il a prévu les protège-dents et tout. Oh, ça j'aime bien ça. N'hésite pas à en mettre un deuxième au-dessus. Tu veux que je vérifie s'il est bien attaché? Ouais, ouais, vérifie un peu. Non, arrête, ouais, ça y est, il est bien attaché. On dirait des crânes. Y'a mon pull. Tu mets pas un gant ici? Ça sert à rien, on va pas l'utiliser celui-là. Mais frérot, la garde. Allez, je te laisse l'honneur de monter. Les gars, je vous aurais aimé. C'est maintenant. À la base, on devait faire un entraînement MMA, tu m'avais dit. Bah, on va s'entraîner là. Eh, hey, toi, t'es sûr que tu mets pas de casque? Franchement, tu devrais un petit casque. Hein. Tu veux pas mettre de casque? T'es sûr? Je vais y aller, moi. Biche, révision. Voilà, là. Pas devant ta gueule. Là, là. Toujours là. Ouais, toujours. Protège ce que tu peux protéger. Quand tu t'envoies des kicks. Enfin, si tu. Et laisse tomber. C'est comment, Morgan? Ça va, hein? C'est parti! Ah, mais non, mais c'est fini là! Non, 45 secondes! Reste debout, reste debout! Coup de poing laser! Reste une minute, les gars! Aïe!
ici. Touche pas à mon gars. T'es prêt? 1, 2, 3, plaquage. Tu tiens pas à ta vie, toi. Je me lève. Ah, je touche plus. Eh, 20 secondes. Je suis un bâtard, je peux te faire un peu. Oh. Et tempo. Super. Ah, c'est pas facile, non. Bon, les gars, la décision, venez. Il y a deux gagnants qui ressortent. Allez, là, et match nul. Viens, on se parle français. Les menottes, elles m'ont arraché le bras. Ah ouais, c'est ce que je me disais, ça devait... Des mains. Les moments, écoute-moi, les moments... Elles sont incrustées dans mon bras. Les moments où t'es allé au sol, terre, un supplice. C'est quand le deuxième round? Quand tu fais un deuxième round? Ouais, non, mais c'est une blague. Quoi? Non, mais c'est une blague. Allez, go. Ah, go. Allez. Ah, mais il a vraiment remis son truc et tout, là. Ah oui, oui. Toi, t'as ouvert ta gueule. Le deuxième round, les gars, celui-là, il va être insane. Vous savez pourquoi? Là, on a eu le temps de débriefer le combat. Là, j'ai compris mes erreurs. On est d'accord, tu vas les redétruire. Du coup, là, ils vont faire une stratégie, je pense. Je leur ai dit, ouais, vous pouvez me niquer à deux et tout. Tu vois, ça dire, ils sont chauffés. Je vais les défoncer. Passe à 20%. Augmente un peu le niveau. Ouais. Je crois, quand j'ai dit deuxième round, c'était pour rigoler, en fait, à la base. Ça, non, on rigole pas. C'était en mode, ouais, deuxième. Ah non. Ouais, mais... Ok, dans le coin bleu, Michou et Julien. Let's go. 1v30, 18 combats, 18 victoires bien évidemment. Dans le coin rouge, Morgan Charrière de Last Pirate. 2 minutes et Morgan, t'es prêt? Ouais. Michou et Julien, vous êtes prêts les gars? On est prêts. Let's go. Et tempo. Mais frère, t'as pas mis les mêmes patates là? Non. J'ai pris les patates dans le ventre, gros. J'ai jamais pris ça de ma vie. Touche pas ton casque, il était pas bien remis. Close pas, je vois ça. Voilà. Troisième round, frère. Troisième round. Non. Voilà. Allez, fais le malin maintenant. Merci Morgan. Je retire tout ce que je pense sur toi. T'es un bon de fou. Putain, merde. T'as pris 4 crochets. Ouais, je crois que t'en as pris 4. Ouais, genre, je prends 4. Personne bouffe 4 crochets au foie. Ouais, franchement, il est pas tombé. Enfin, si, il est tombé, mais il s'est volé. Faut les normalement crochets au foie, t'es parfait. Ça te coupe la rescue. Mais en fait, ça va parce que quand tu mettais un coup comme ça, après tu tapais lui. Ouais, si tu mettais un coup comme ça et que tu m'enchaînais derrière, je pense que là je bougeais plus. On est bien sorti quand même, je crois. Mais oui, t'es solide. Ouais, solide, hein. C'est bien l'entraînement porté fruit. Mec, ça me tue. Ça y est, t'es tranquille en claquette. Ouais, tranquille. Je suis au bout de ma vie, moi. On est reparti? Ouais, en vrai, ça part. Là, j'ai qu'une envie, c'est d'être dans le van. Et à la fois, j'imagine que là, on va vers une nouvelle activité. Ouais. À la fois, j'ai pas hâte de découvrir la suite. La prochaine, ça va plus mettre la pression. Que ça ? Moi, c'est crescendo. Si tu commences avec ça, là, je sais pas, tu vas finir avec quoi ta journée, mais franchement, je serai toi vers 16h, je commencerai à me poser des questions. Ouais. Vas-y. C'était énervé. Merci. Vas-y, bah merci les gars, en vrai, bonne journée. Merci beaucoup, merci bien. Pour l'accueil. Tu vas pisser là ? Ouais. Oh putain. En vrai moi ça me dérange pas, mais toi peut-être ça te met un peu mal à l'aise. Franchement tu pourrais te rapprocher hein, t'es... Ah t'es loin du chiotte. Ouais, j'ai pas envie de crabosser ces chiottes et qu'ils me cassent la gueule. T'es bien là? Ah. Je pense que ouais. C'est très spécial. Franchement je suis bien. C'est horrible, j'entends tout. Attends, je me lave la main. Ouais. La main. T'étais à l'aise en vrai? J'étais comme ça, bite à une main. Ça rompchit fort, hein. C'est bon, ça fait casser la gueule. Là, il rompchit. Je sortirai une pokéflûte pour le réveiller. Frérot, je sais pas où tu m'amènes, mais là, on est clairement plus à Paname. Si, regarde. Mais... Tu vois ça, là? Tour Eiffel. Oh, waouh. T'as vu? On est dans une vraie forêt, frérot. C'est là? Ouais. On est au milieu de nulle part. On va faire quoi? On va faire du quad? Tu vois les malinois là? Regarde bien. Oh, c'est pas des chiens ça, c'est des mastodons frérot. Clairement. Frère, il fait 8 fois Yuki. Oh, Alexé. T'as oublié qu'on était menotté toi? Bonjour. Oh, il est incroyable. Oh là là, mon pote. On va rigoler. À chaque fois que je fais ça, je rigole. Je rigole comme un fou. Peut-être pas vous, mais moi aussi. On va faire quoi frérot là? Oh le bâtard. Je viens de comprendre. Ils vont nous niaquer. C'est des chiens d'attaque? On en a amené un exprès qui s'appelle le broyeur. T'as renommé ton chien le broyeur? Le broyeur, ouais, voilà. Rassure-moi, lui c'est un mastodon. Que tu sais, il a les croix en dessous. Attends, fais voir qui. Oh. J'ose plus les caresser maintenant. Wesh, il a des grilles. Wesh. C'est Bowser. En fait,
pas trop loin. On va non, mais c'est dangereux tout. Ou pas? Non, on va faire attention à tout. Vous aurez peut-être des bleus. Pour de vrai? Par contre, je vous ai prévu une coquille chacun. Ça, c'est pas mal. Coquille, c'est pour les. Ouais, voilà. Frère, il y a 5 minutes, je dormais dans le van. La vie de ma mère, je me suis réveillé. J'ai vu, on était au milieu d'une forêt. Je me suis dit, où est-ce qu'il m'emmène? Ouais, là, vous allez souffrir un petit peu, mais c'est sympa. Ouais, on va bien rigoler. Ouais, je vais essayer. On commence par lui. Tu veux la tenir? Bah ouais, elle est gentille. On commence par lui. On va vous montrer avec lui déjà, d'accord? Tu veux me faire des bisous? Profites-en, après, elle va te croquer les tibias. Tu vas Ah ouais, elle est forte. Et là, c'est elle qui nous promène, frérot. Toi, non mais les gars, vous êtes en train de me promener là. Je me fais promener des deux mains là. Par contre, elle a de la force de malade, hein. Yuki, c'est moi qui la promène là, c'est elle qui promène, frère. Vous équipez avec des collants, c'est pour que le croc glisse un peu quand même sur la viande. Le croc glisse sur la viande. Déjà, quand t'appelles ma jambe la viande. Ça, ça sera le costume. Ça, ça aura ma vie entre les mains. Je suis trop chaud. Ça va être trop bien, gros. Mais non, mais t'es habitué à Yuki là, on va t'envoyer des dragons, gros. Oh 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 oh. Dis moi comment il a envie de le graille. Il a trop envie, hein. Eh, hey, tu vas le bouffer. Il a envie d'attaquer. Il a un peu plus loin. Les oreilles, les oreilles. Ouais, ouais. Oh, oh, il a pas peur, il a peur. Oh, c'est incroyable. Je veux le faire. Mais frère, il est en train de lui bouffer la main. Lâche. Même la petite. J'ai une vraie pression là. En fait, je pense que tu fais le poids du chien donc. Ah, il fait quel poids? Non, pas lui, je parle du broyeur là. Le broyeur il fait 52. Voilà. Ouah, 52 kilos il fait le chien. Tu vois là, le chien il apprend à répondre aux ordres. Voilà, on le travaille, il est toujours disponible, sympa. Et ça, c'est un plaisir pour lui. Sympa. Ça se voit, t'es pas comment il est. Regarde comme si je dis. Il a qu'une hâte, c'est foncé là. Ouais. Attaque. Il a pas essayé, hein. Tu dis attaque, ils savent que c'est lui. Va te placer derrière, mettez-vous debout, écartez les bras, bras tendus. Non mais là t'es sûr de ton test? Je suis sûr. Là il nous attaque pas. Voilà, c'est prêt, il passe au milieu. Attaque. Oh c'est bon. T'es peur quand même. La tête du cadre. Mais toi t'es trop, mais je comprends pas. Mais il est éduqué, tu veux qu'il se passe quoi? Attends, on fait quoi nous? J'aime pas être ici, je sais pas pourquoi. Voilà les crocs. Wesh. Waouh. Je peux lui faire un bisou sur la tête pendant qu'elle meurt. Ah ouais? Ici, il lui fait un bisou, mais elle continue à le chiquer sa elle mère. Elle tombe par terre. C'est un chien sportif. Qui l'intéresse, c'est le costume. Je suis stressé de fou, frère. Je fais tout avec lui, donc d'un côté, c'est mon gars. Mais de l'autre, tu me soutiens pas mentalement parce que toi, t'as pas peur. Mais si, je te soutiens, je suis avec toi. Allez, let's go, ma gueule. J'enfile mon petit slip là, petit slip de compétition. Hop là. Oh wow. Attends, lève-le. Moi je vais m'embêter. Attends. Pourquoi t'es en galette? Tu vas capter en mettant le tien. Ah ouais? Ouais, je te jure. Mec, ton pantalon il a un flot de fou. Pourquoi moi mon pantalon il tient pas debout? Parce qu'il est un peu plus léger en fait. Il est moins rembourri. Un petit peu moins. Un petit peu moins. Tu vas prendre cher. En fait toi t'es en mode tranquille. Moi je suis au Bahamas. Toi t'es le. Je suis encore à Tenerife là. Ouais, mais par contre lui il est moins épais que toi donc ça va pas faire trop de différence. Sauf quand vous avez passé broyeur, je pense que tous les deux vous allez morfler. Ça va être marrant. Mec, quand je vais voir le broyeur. Des fois il déchire les baskets, mais c'est pas grave. Non, pour de vrai? Il est déjà arrivé que le chien fasse un trou dans le pied. Ça c'est pas dingue. Ok. Ouais, c'est rien. Tu veux couper? Tu veux que je t'aide? Ouais, mais là c'est compliqué de faire des lacets. Tu vois, ça c'est de l'entraide. Je pensais jamais faire ça un jour dans ma vidéo. Vas-y, fais. J'ai pas peur. T'es prêt? Non, ça va en vrai. Et tout son corps, il a fait ça. J'ai limite kiffé. Ouais, prêt de fou. La grosse veste pour toi. Toujours prêt à souffrir. Oh, elle est stylée la veste, elle est bleue et tout, frère. Oh, wow, comment c'est lourd. J'ai l'impression que je vais dans l'espace. Comme ça. Ah, tu vas nous renchaîner. Frérot, on va être vraiment enchaîné de là. Bah non, sinon on respecte pas le délire. Ah ouais, mais toi, t'es un mec sérieux, toi. On est menotté, mais les deux mains. Oh, le plaisir. Enfile. Mec, je dois faire trop du bien au poignet. Ah, t'es un mec, t'auras eu le plaisir d'être démenotté une seconde. Oh, mon bras, il est libéré, frère. Ah mince, j'arrive pas à mettre la veste. Putain, elle est trop rigide. Attends, bouge pas, je. Putain, tu vas me remenotter déjà, j'ai trop le seum. J'ai une couille qui remonte. Mais frérot, on filme pas ça. Ouais. Je voulais vous serrer la main, ça a été un plaisir. Ça y est, on devient des pros là. Voilà. On est deux petits steaks hachés qui se promènent. Attends, mais on se met où là? Oh putain. Mec, elle a l'écrou. Je croise les doigts, elle court sur Watt. Tu viens me chercher Luc? T'es prêt? Tape la jambe du sol, tape la jambe. Attaque. Ça va là? Bah super. C'est bien. Ouais, c'est bien. À toi. Attends. Prends le bâton. Non, mais moi, je prends pas le bâton, moi. Je suis pas un méchant, moi. Allez, tape sur toi, tape sur toi. Non, arrête. Allez, bonhomme. Attaque. Ouais, frère, calme-toi. Tu vas faire quoi maintenant? Tu vas faire quoi? Elle est jamais montée de sa vie, je crois que tu l'as énervé. La jambe. Elle m'a passé là. Ah ouais, t'es comme ça toi. Autant le torse, ça m'a juste poussé, c'était impressionnant. Par contre là. J'en ai des bonhommes, on le refait mes dodos. 1, 2, 3. Attaque. Ah, ça pince.
Oh, la cuisse, plus jamais. Je ne prends que du plaisir. Oh, la cuisse, il est mort de rire. On a commencé par la pompe. Arrête de mentir, elle a de la force. Non mais là, c'est celle qui mord le moins fort. Tu peux aller chercher Luc? Frérot, je mens pas quand je te dis ça, j'ai l'impression de saigner derrière la cuisse. Sérieux? Elle m'a pincé de malade, hein. J'ai rien senti. Si le chien était attrapé aux jambes, tu restes droit. Tu peux secouer la jambe, mais tu restes bien droit. Mets ton bras comme ça. Luc, au pied, tu vas te mettre comme ça. T'es prêt? Attaque. Voilà. Oh, attaque. Ça fait mal. Ça fait mal. Attaque. Ouais. On fout le au sol, repose. Il est en train de pousser à la salle. Attaque. Ouais. Ah ouais, t'es comme as. Oh frérot, mais ça y est. Je me calme. Les deux sont assez similaires en vrai. Hein. Attaque. Ah. Ça va? Ça y est, je rigolais. Mais frère, j'ai quoi, elle va me choper la tête là. Après, on va en sortir un autre. Non, par contre, là, on sort qui? On va sortir Broyeur. S'il te plaît, dis-moi un truc. Est-ce que toi, à certains moments, t'as ressenti la douleur? Rien. Hein? Genre, en fait, je pensais que quand elle m'a attrapé la cheville, ça allait faire mal. Mais au final, rien. Là où j'ai le plus senti, c'est le bras, mais vraiment pas de douleur. Alors, moi, le bras, en fait, j'ai eu un peu mal, mais juste, ça bougeait de ouf. Et là, je sentais sa vraie force. En mode, j'avais l'impression, si elle voulait, elle me baladait. Non, par contre, là, il ramène le Broyeur. Non frère. C'est Broly. Le coup de pression colossal. Ça a fait peur. Ça y est. Bouge pas. Je vous présente le Broyeur. Il m'a calmé. C'est le chien le plus impressionnant que j'ai vu de toute ma vie. Broyeur, je crois que je veux pas, frère. Il va me tuer. Frérot. Oh la vache. Ça va? Là, je le sens, par contre. Il m'a cassé le genou. Moi, je suis chaud d'en tenter un, juste pour mon expérience. Pour la science. T'es prêt? Tu veux commencer toi? Tape sur ta jambe. Bon, ça va, il est au bon endroit là. Là, ça fait pas mal. Attaque. Ça fait mal quand même. Je pense vraiment que je suis ensemble. Il a confondu son mollet avec un nugget. Et je peux enlever cette combinaison, je t'en supplie. On arrête. T'es bien, hein. Par contre, il est vraiment beau. C'est un monstre. Quand il t'aboie dessus, t'es obligé de ne pas bouger. Par contre, en premier degré, la bidouane, tu peux pas faire le malin devant lui. T'as pas la combi, il te mord, il t'arrache le bras. Mais non, mais c'est sûr, Toi, je remets en cause tout ce que j'ai dit sur la douleur. Là, ça faisait vraiment mal. En fait, depuis le début, ça a pincé. Et je me disais, ça fait mal. Là, il y a eu une différence de douleur. Comme expérience, c'est un truc de fou. La bidouane, j'ai hâte de voir l'état de mon tibia, par contre. J'ai encore mal. Les gars, je vais vous le dire honnêtement. Là, ce qu'on vient de faire, on vient de vivre un truc de fou. Je m'en rappellerai toute ma vie. J'aurais pas pu aller plus loin. Tu vois, le Broyeur, quand il est arrivé, il m'a calmé. J'aurais pas pu me mettre au fond et qu'il le fasse courir. Les autres chiens, peut-être, j'aurais pu avoir les couilles. Le Broyeur, il faisait trop peur. Ouah, mes frères, c'est même plus une trace de menottes que j'ai. J'ai une piste de course. J'ai enlevé le pantalon. Pour l'instant, mon collant a rien. Je pense que c'était plus de peur que de mal. Tu tiens là? Ouais. Ah, tu l'aimes bien la bibine. On va voir. Est-ce que j'ai une vraie trace? Tes mains là, j'ai quand même. En fait, je le sens. J'ai une marque de croc là. Ah, mais ouais, t'as un vrai bleu, frère. Oh. Regarde, j'ai les matons complets ici. Wow. Maintenant, j'ai hâte de voir moi mon tibia. Wow, quand même! Mais en vrai, quand tu regardes comme ça, en fait, c'est bizarre. Par rapport aux blessures qu'on peut se faire au foot ou quoi, ça a pas l'air impressionnant. Ouais. L'équipe, bon courage. Merci beaucoup. Bravo, merci franchement. Beaucoup, les gars. Merci pour l'accueil. Julien, t'es froid, calme et tout. Lui. Mais t'as assuré. T'as assuré quand même. Tu sais à quoi on voit le courage de quelqu'un? C'est à sa capacité à surmonter ses peurs. Si t'as pas peur, qu'est-ce que veut dire que t'es courageux? Ça a été un super plaisir. Merci infiniment, c'est super cool. Tu m'en tiens par rigueur. Hein. Bon courage pour la suite. Hein. Un petit pipi peut-être en sortir. T'es bien toi? T'as envie de pisser là? Ouais. À chaque activité, il va pisser. Non mais gros, c'est bizarre d'aller pisser tous les deux. T'aimes tu sais que là vraiment, t'es en train de filmer en train de pisser, frère. Oh le plaisir. Non mais frère. Aussi, il abuse lui. Tu sais que j'ai l'impression d'être dans une vidéo, je teste mes limites là. Ouais. Pas une vidéo menottée. Ouais, clairement. Et là, on va arriver au climax de cette journée. Du coup, on va aller manger, on prend des forces, puis après, tu vas te faire caca dessus. Ok. Bon, ça va, c'est une bonne fin de journée. Ouais. Par contre, ça me fume, c'est que vraiment, on se balade menotté dans la rue, personne ne calcule rien. Tout est normal. Faut savoir que les gens sont des PNJ, même si je crie très fort, il y aura pas de réaction. Bah, il y a clairement eu aucune réaction. Oh frérot, c'est bon. Oh, je suis heureux. Mais là, on mange vraiment là? Ouais. Juste son kiff. Bah ouais, je t'ai dit. Ah, prends des forces. Moi, j'étais persuadé que j'allais bouffer des insectes. Ça manque de Smarties en vrai. Non. La bidouane, là, je suis heureux là.
On a mangé un club sandwich, il était bon et on va à la prochaine activité. On arrive dans 2 heures. On arrive dans 2 heures? Et ouais. Et on va à Marseille là? 2 heures de sommeil là, oh là là. Ouais, par contre, ça va envoyer un gros rompchi là. Eh les gars, écoutez, je sais pas où on est. Tout ce que je sais, c'est qu'on a roulé 2 heures sur l'autoroute pour arriver ici. Frère. Viens mon ami, tu vas voir ce que je t'ai réservé. Tu m'as emmené où, frère? Viens, viens mon copain. On est dans la forêt. Dans la forêt, qu'est-ce qu'il y a? Des champignons. Il y a des arbres. Qu'est-ce qu'il y a par les arbres? Il y a des rivières, il y a des fleuves. Et il y a un petit fleuve juste ici. Il y a un petit fleuve juste ici. Tu vois, ben c'est marrant que tu dis ça parce que souvent au-dessus des fleuves, il y a des ponts. Tu vois, des ponts de toutes sortes, de toutes tailles. Et puis là, oh, bâtard. Oh. On va sauter. La vie de ta mère. Allez, c'est parti. Gros, ça, je peux pas, ça me fait trop flipper. Allez, viens, regarde bien le jump qu'on va s'envoyer. Non, gros, moi, je reste ici. C'est parti. Les peurs, c'est fait pour être dépassé. On va dépasser nos peurs. Mais mec, c'est trop, frère. C'est haut sa mère. Plus on s'approche, plus c'est grand. T'as pas envie de le faire un peu, en fait? Bah, de toute façon, là, je suis obligé. Je crois que j'ai plus peur de ça que des migales dans la vidéo où je teste mes limites. Sachant que les migales, c'est vraiment une phobie de baiser. Comment ça va? Franchement, vous êtes courageux. Tu sautes souvent? Dès qu'on peut sauter, on y va, on s'amuse. Ça fait 30 ans que je fais ça. C'est un kiff de sauter. C'est une passion, hein. Alors, on est mort de peur avant de partir, voilà. On est mort de rire pendant le saut. Hein. Il y a quoi, 15-20 mètres de chute facile? Là, on arrive entre 5 et 10 mètres du sol, on est à 45 mètres de haut. 45 mètres de haut? Non, mais attends, parce que là, nous, on est deux. Donc, notre poids est plus lourd. Hein. On met des élastiques plus courts pour les deux. Par contre, vous allez sauter, vous. Attaché par les pieds, le plongeon comme à la piscine. Et puis vous partez ensemble parce que je vois que. Bah, mais il est con, il m'a arrêté, sauf qu'il s'est menotté avec moi. Ouais, c'est ça. Eh hey, monsieur, comment on fait pour pas avoir peur? On crie très fort. Juste crier fort. Ah, il faut crier, ça. La peur, elle s'en va. C'est diabolique comme concept. Me menotter à lui qui est prêt à sauter et moi je suis pas prêt, c'est horrible. Ça va? Non, je suis pas bien. Respire un grand coup, on y va. Là, faut vraiment que tu débranches ton cerveau. Faut que je me dise, je suis un super héros, frère. Même pas, juste tu dis, là, t'es venu pour faire ça. Je suis un super héros, je suis en combat, gros. Au dernier moment, je tombe et il y a Spider-Man. Toile d'araignée, il me sauve. Eh les gars, c'est pour vous que je le fais. Là, je vous jure, il y a pas de vidéo, il y a pas de caméra, il y a rien, frère. Je découpe les menottes, je me barre en courant. Bon, bah écoutez, on va se préparer, hein. Ça va? En fait, t'as raison, il faut aller vite. Plus je prends mon temps, plus je vois qu'on est haut, plus machin. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un stress comme ça. Allez, mon ref, ça va être bonhomme. Ça va? Ça va, ça va. YouTube me pousse à me dépasser vraiment parce que là, il y a pas de vidéo, frère. Je fais demi-tour. Je n'ai rien à faire ici. Je descends par les escaliers comme tout le monde. Tu sautes? Ouais. Ça te fait pas peur? Bah, un peu quand même, mais bon, qu'est-ce que j'ai pas trop le choix. On a dit saute pour nous montrer comment on fait. Si tu veux pas faire, tu me le dis, on fait demi-tour. Non, non, je vais faire. Si tu veux pas faire vraiment, je t'assure qu'on y va. Yes! Oh là 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 là, mais comment c'est impressionnant! Frère, il a sauté tout droit! Je crois que ça m'a fait encore plus peur en fait. Messieurs, je vais vous demander un service, c'est de ne plus vous lever maintenant. Si on peut rester assis toute la nuit, y'a pas de problème. Je dors là s'il faut. De toute façon, quoi qu'il arrive, y'a Spider-Man qui va me sauver. La foule. J'ai la strat, je vais regarder droit devant moi. En fait, si tu regardes en bas, c'est mort. Pour que ça soit confortable pour vous, essayez de vous éjecter, de me donner une petite propulsion. Comme si vous vouliez faire un plat, tout simplement. Si vous vous laissez basculer, ça risque d'être un peu raide, d'être un peu secoué partout. Étape numéro 2, on va monter sur le plongeoir. Étape numéro 3, on va aller au bout du plongeoir. Étape numéro 4, on va s'amuser. Allez, on avance. On avance. Michou, faut que tu avances encore, je suis désolé. On peut rien faire là. Je te tiens. Je suis au bord, Ah! Wouhou! J'ai les jambes qui trempent sa grand-mère. Viens, on crée à deux. Un. Allez, à trois, on va pouvoir. Ah! Ouais, on y va. Putain les gars, vous l'avez fait. On l'a fait, frère. Oh là 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 là. Gros, j'ai envie de t'épouser là. Oh sa mère, la dinguerie. De tout ce que j'ai fait dans ma vie, la sensation de chute, elle est monstrueuse. Mec, c'était n'importe quoi. Et en fait, j'ai pas eu peur. En fait, j'étais content parce que je me suis dit, c'est bon, je suis dans les airs. Ça veut dire que je peux plus faire demi-tour. J'ai eu trop peur, frère. Les gars, faites tout ça dans vos vies. C'est une dinguerie. Envoyez-vous des sensations fortes, des trucs bien vénères, des trucs qui vous réveillent. J'ai des larmes, frère. Te rends pas compte. Mentalement là, j'étais en combat avec moi-même depuis qu'on est là-haut. Oh sa mère, c'était fou. Pour combien tu serais prêt à le refaire toi? Ah, en vrai je serais chaud de le refaire. Mentalement ça reste dur. Et même si c'était insane que j'ai kiffé mon expérience, mentalement ça reste c'est une épreuve à affronter. Hein. Bon, c'est la fin de la journée. Qui a les braves clés? On enlève officiellement les menottes. Là c'est de l'officiel les gars. Voilà. Frérot, c'est la même libération que le saut à l'élastique. Et voilà. Vous êtes libre. Frérot, je vais me les remettre. C'est quoi ce Il a fait un trick shot. Il a fait un trick de fou, frère. Je suis destiné à être menotté, mon gars. En vrai, t'es trop gentil, sache que je t'ai kiffé, frère. J'ai l'impression, frère, je le connais
depuis 5 ans, ça y est. On a vécu une journée ensemble. Les amis, j'espère que vous avez kiffé suivre cette vidéo menottée pendant une journée. Il est quelle heure du coup là au final? Il est 19h33, donc on aura passé 10 heures menottées. Sachant que là, on a 2 heures de route pour entrer à Paris, après c'est dodo. C'est la fin de cette journée menottée avec cet homme, Julien. C'est un fou frère. Il y a quand même des petits moments où t'es un peu flibé. Juste ça au moment de sauter quoi, mais une fois que c'est fini. Ah, t'as eu quand même un petit coup de presse. T'es obligé. Et aussi le broyeur, on passe une tour. Le broyeur, j'ai juste peur pour ma vie quoi. Le broyeur, les gars. J'espère vraiment que vous avez kiffé. Aussi, n'hésitez pas à retrouver Julien. Tous ses réseaux sont dans la description. Pour l'occasion de cette vidéo, il vient de lancer une vidéo sur sa chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas. Il y a sa chaîne YouTube aussi dans la description, etc. Merci mon frérot. Et les gars, nous on se laisse là. Je vous fais des gros bisous. Nous on se dit à la semaine prochaine. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo qui sera tout aussi folle. Ciao les gars.